Bonjour à tous, aujourd'hui on a été invité par Kelly Docklin pour faire une vidéo un peu spéciale pour les accompagner sur une de leurs opérations. Ouais, nous allons aller à la baie de Taureau, voilà. Et nous allons nettoyer un peu cette petite plage qui pullule de pollution. Cette grande plage. À la base on devait aller en canoë, en kayak, mais il y avait trop de vent, donc on va partir en petit bateau à la bière. À la bière, cousin. Allez, voilà. Et c'est parti. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on produit pas. Il y avait un arbre qui était bien décoré et on s'est dit merde, qu'est-ce que c'est? Ça ressemblait un peu à des guirlandes, un peu à un arbre de Noël, et en fait quand on s'est approché, on s'est rendu compte que c'était des tampons usagés qui étaient accrochés à l'arbre. Et il y en avait au moins une centaine. Il y avait toujours que des tampons usagés là en fait. Oh merde, mais c'est dégueulasse. C'est de là-bas à ici, hein. C'est tout ce que j'ai pris, voilà. Quelle est cette bouteille, genre j'ignore même ce que c'était ça. Genre c'est quelle marque ça? Ça n'est pas d'ici, hein. Ça vient de quel pays ça? Combien de kilomètres ils naviguent les déchets? Hallucinant, hein. Ah, les véganes, alors bon, là les raquettes elles sont pas assez épaisses, oui, tu vois, mais ils aiment bien cette espèce là. En fait, elles, quand il y a beaucoup d'eau, elles gonflent et du coup, en fait, ils râpent et en fait, ils font des steaks avec. Ah ouais, des steaks? Ouais, et en Australie, ils font des steaks de cactus, c'est rigolo. Excellent. Et tu peux en manger, ouais. Franchement, si vous faites un nourriture en Australie, il faut manger les steaks de cactus, c'est rigolo. Drôle. C'est comment qu'il y a les deux clignes, les deux? Bim, ça donne ça là! Ils avaient promis qu'ils viendraient, voilà, ils sont venus. Alors, on leur paye le sandwich, mais ils viennent quand même, et ça c'est important quand même. Tu vois, dit, bah. Mais moi je vais vous dire, prochain coup là, je paye ce que vous voulez. Vous avez bien entendu, hein? Ça porte pas des homards, hein, c'est cher le homard. Ah, t'as dit, c'est enregistré, j'en ai rien à foutre, hein! C'est enregistré, donc le prochain on viendrait, on choisira ce qu'on veut! On remercie Kelly Docklin de leur initiative, enfin, c'est trop cool, c'est des gens qui œuvrent toute l'année. Nous on fait ça une fois dans l'année, on dit qu'on a fait une bonne action, mais eux c'est tout le temps. Donc on les remercie, on les applaudit. Thibaut Kelly Docklin, vas-y, bravo. Bravo, vous venez tous les week-ends. Là, je nous retour. Merci à Kelly Docklin pour cette merveilleuse journée. Et j'espère qu'on se retrouvera la prochaine fois. Pour avec plaisir, je suis vraiment content. Vous êtes bienvenus toujours sur nos actions. Et puis, j'en profite pour passer un petit message. Les amis, quand vous allez manger, pensez à vos emballages. Parce que là, vous avez vu un petit peu quand ça finit sur les plages comme ça. Vous avez vu tout ça là, putain? Il y a ça quand même, quoi. Il y a ça. Ça, c'est ce qu'on ramasse sur nos plages. Donc, gaffe aux emballages. À la prochaine. Ciao, ciao. Arrêtez, allez, klaxonnez-le. Non, non. Stop, arrête. C'est bon.